Le bureau municipal, en sa réunion du 18 novembre 2013, a analysé la situation du transport scolaire pour déplorer avec la plus grande fermeté l'immobilisation des bus de la commune de Saint-Louis par le préfet du département. Par cet acte, M. le préfet vient de mettre un frein sur un long processus entamé par la commune qui s'est engagée résolument à transporter les élèves de la ville afin de réduire le taux d'abandon et de dépétition scolaire, améliorant par la même occasion la performance des élèves. Notre déception est d'autant plus grande que les raisons avancées par le préfet nous semblent trop légères pour prendre une décision si lourde de conséquences. Il faut aussi noter que la commune n'a négligé aucune démarche pour être en règle et par conséquent donner corps à ce projet salué par toute la population. Aussi, avons-nous reçu, après sollicitation, la lettre numéro 1194 PMSG-CCVA du 30 avril 2012 du secrétaire général du gouvernement nous autorisant à accepter le don de ces bus, les immatriculer dans les séries administratives et civiles après accomplissement des formalités douanières. Nous avons aussi reçu les certificats de mise à la consommation des véhicules signé par la Direction générale des douanes. En sa séance du 28 juillet 2012, le conseil municipal a voté la délibération portant acceptation de ce don de véhicule qu'il a destiné exclusivement au transport de ses enfants. Par conséquent, personne ne peut douter de la régularité de ces bus qui font aujourd'hui l'objet d'un acharnement incompréhensible. Loin de nous, la volonté de concurrencer quiconque par la mise en circulation de ces bus dont la gratuité traduit l'engagement des autorités municipales à réussir ce projet. Nous en appelons ainsi au sens patriotique et à la responsabilité de tous, décideurs, autorités administratives et transporteurs, afin qu'on cesse ces amalgames coupables et autres diversions stériles pour soulager de façon concrète les braves parents d'élèves qui, à travers ces bus, voient une énorme charge leur être enlevée. Accompagner nos élèves dans leurs études, c'est un pari pour l'avenir, mais aussi et surtout un investissement pour ce pays à de plus cher, ses enfants, le bureau municipal.